tu veux me voir à la cam, putain t'es relou, voilà, lui à chaque fois qu'il vient me parler, il veut des trucs à la... Il veut toujours me voir à la... Il va craquer sur moi, mon gars. Alors, vas-y, moi je dis go. Vas-y, à plus. Ciao. 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 Ça te rend un expert, c'est une expert. Allez, c'est la live. Oui, c'est pas bon, hein. Ciao, ciao. Oui, là. Mais qu'est-ce qu'on pas choqué? Mais qu'est-ce qu'on pas choqué? Vous êtes là. Voilà, j'avoue, dis des trucs genre, ouais, j'ai des débats et tout, il commence à être vraiment agressif. Je vais devoir le finir et tout si vous voulez pas. Je sais ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire, appelle le collègue, après il va te demander de quitter le commissariat, votre commissariat, chez moi le commissariat, c'est ma maison de commissariat, mais s'il appelle le collègue, tu veux vraiment le faire, tu te prends trop pour un Ken, tu vas le gagner ou quoi? Tu vois, tu vas te faire avec lui. Là, tu fais un peu la victime, tu vois, je vais niquer, mais peut-être qu'il fallait faire, oui, bon, voilà, tu donc voilà, là, j'ai plus trop de poils, j'ai mes cellules, donc, genre, si je voulais venir, Me rappelle un autre, hein. Bah ouais, t'inquiète. Hier, aux abords des 18h30, j'ai rencontré donc quelqu'un dans la rue, donc je vous explique. Donc il était en train d'aborder une petite fille d'un certain âge, je m'entraîne là, je vous le fais. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, il m'a rétorqué qu'il osait tirer une cigarette. La fille en 11 ans, j'ai déjà vu un peu le profil de la personne, j'ai dit quelqu'un que c'est pour moi dans ma tête, c'était déjà quelqu'un de pas stable, etc. Donc je l'ai interpellé. Ensuite, après l'avoir interpellé, forcément, je l'ai à mon domicile, donc dans la salle... Donc j'ai ramené à mon commissariat. Après je l'ai envoyé en justice en bas. Tu fais ouais collègue, il faut vraiment que tu viennes sur une inter... Enfin je sais pas, tu vois, délire. Faut vraiment que tu fasses passer comme pour le Schmitt, tu vois. Et si tu vois, je suis à mon commissariat, Tiens, je vais dire, je pourrais avoir chef de poste, tu vas rien comprendre, je vais lui mettre une disquette, tu vois, après. À la fin, tu vas voir. Après, non, c'est parce qu'il vient, il va commencer à m'expliquer, après, il va commencer à faire genre le scénario. Oui, mais vous voyez, monsieur, peut-être que c'est le bleu. Écoute le bleu, passe-moi chef de poste, on est rien, Faut que je crée un autre coup, t'as pas, je crée un autre coup. Ok, enregistrez. C'est bon, je vais appeler. Ouais, il faut que tu arrêtes, là, pour 300 blocs. Moi, je règle tout, t'as vu? Mais tu arrêtes comment, là, en fait? Tu as d'ailleurs un logiciel? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger monsieur, donc là je vous appelle parce que donc hier soir à peu près vers 18h30 j'ai ramené quelqu'un donc à mon commissariat, donc je l'ai mis donc en garde. Donc le suspect, je dirais qu'il avait à peu près 21 ans et en fait si vous voulez je l'ai rencontré donc aux abords dans la ville, donc c'était vers la fin du boulevard du Nord, je dirais dans l'entrée de l'allée du village. Donc cette personne était en train de discuter avec une dame de 10 ans, dont j'ai tout de suite commencé à lui parler et donc il m'a dit qu'il lui demandait une cigarette à une fille de 10 ans. Donc tout de suite j'ai vu un peu le profil de la personne, donc je l'ai interpellé et je lui ai emmené donc dans ma cellule, donc dans mon commissariat. Et donc suite à ça, j'ai laissé depuis hier soir, on va dire ça va faire 19h,
jusqu'à aujourd'hui 55. Donc il est passé aux aveux à 11h30. J'ai réussi à avoir pas mal d'informations sur lui. Maintenant c'est vrai que pour en venir au fait, j'ai peut-être utilisé quelques techniques courantes de la police, mais plutôt c'est pas fait comme elles auraient dû être faites. Oui, oui, je vous remercie. Oui, bonjour, si on vous dérange, votre collègue m'a aiguillé vers vous. En fait, je vous explique. Donc moi, hier soir, vers à peu près 18h30, je me promenais dans le Racy. Et vers la fin du boulevard du Nord et l'entrée, l'allée du village,